Bonjour, je m'appelle Zelba, je suis autrice de bande dessinée, allemande, mais je vis en France depuis presque 25 ans déjà. Je fais de la bande dessinée destinée plutôt aux adultes, pas mal d'autobiographies, mais aussi des chroniques sociales, des livres qui mettent en scène des sujets sociétaux qui me tiennent à cœur et qui mettent peut-être aussi en scène pas mal de personnages féminins forts. Et en parlant de femmes, j'ai eu la grande chance d'avoir été invitée au deuxième salon du livre féminin de Dakar le mois dernier, organisé par les culturels, par Amina Seck, une écrivaine sénégalaise qui a écrit un magnifique livre, Mauvaise Pente, que je vous conseille très chaudement. J'ai été invitée par le Goethe Institut Sénégal, que je salue au passage et qui m'a permis aussi d'intervenir dans un lycée, dans le lycée d'excellence Maria Maba, sur l'île de Gorée, un superbe lycée pour jeunes filles. Et j'ai rencontré de nombreuses jeunes filles très, très curieuses, très avides de savoir et avec lesquelles j'ai eu de super échanges. Et ça donne beaucoup d'espoir dans la jeunesse et beaucoup de confiance aussi dans ces jeunes femmes qui vont nous succéder un jour. Voilà, donc que dire sur ce salon auquel sont invitées des femmes, pas que des autrices littéraires, mais aussi des réalisatrices de films, des créatrices de mode, des journalistes, des femmes médecins qui ensemble échangent sur un podium et c'est très intéressant en fait de se rendre compte à quel point nous ressemblons, à quel point nous sommes traversés aussi par les mêmes craintes, par les mêmes injustices, par la même envie d'améliorer ce monde. Et ce qui est très beau dans ce festival ou dans ce salon du livre féminin, c'est que la parole est vraiment donnée aux femmes. Il leur est donné un podium et qui met en lumière la création féminine, ce qui est une très bonne chose. Voilà. Et vous m'avez posé une question. De vous donner 3 astuces pour réussir une bande dessinée. Alors, c'est assez difficile pour moi de donner des recettes. Des recettes, j'en ai pas vraiment. Je dirais plutôt que, il faut persévérer. Quand on a envie de faire de la bande dessinée, il faut savoir que c'est quelque chose de très long. Il faut avoir un sujet à faire passer, ou un message à faire passer. Il faut le traiter avec honnêteté et le faire du mieux possible. Et le dessin, c'est quelque chose qui s'apprend. Au début, on est très nul. Plus on le fait, mieux ça va aller. On sera de moins en moins nul. Un jour, on va peut-être même aimer un dessin qu'on a fait. Et pour les livres, c'est pareil. Et je pense que chaque livre est un peu meilleur que le précédent et peut-être un peu moins bien que le suivant. Enfin, j'espère. Voilà. Donc, merci encore. Un grand merci au Goethe Institut Sénégal pour cette belle invitation qui m'a fait découvrir un petit bout du continent africain. Merci à Amina Seck et au Culturel pour l'organisation de ce très beau festival du Salon du livre féminin de Dakar, à qui je souhaite une très très belle et très longue vie. Au revoir, à bientôt.